أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أما بعد. Il faut qu'on finisse ce verset parce que le verset est trop important. Je rappelle le verset que je vous ai mentionné précédemment. Certes, les seuls que l'on peut réellement qualifier de croyants sont ceux qui, lorsqu'est mentionné Allah Azza wa Jal, leur cœur tremble et se stabilise. Et lorsqu'on leur récite les versets, eh bien, leur foi augmente. Et le résultat de tout cela, c'est qu'ils s'en remettent à Allah. On voit la suite du verset. « Alladhina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Allahumma ij'alna minhum. » أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Ce qui signifie. Ceux qui s'acquittent de la salah. Alors, s'il vous plaît, on ne va pas dire le terme prière, on va dire le terme salah, parce que salah, c'est le terme coranique. Je vous dis prière une fois, mais à partir de maintenant, j'emploierai le terme salah pour la prière, d'accord? Parce que c'est sila, c'est le lien entre nous et Allah. Ceux qui s'acquittent réellement de la salah avec leurs membres, leur corps et leur cœur. Voilà ce que ça signifie « yuqimuna as-salah ». وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Et donne une partie de ce que Allah Azza wa Jal leur a donné comme bien, argent, des biens, de la nourriture ou d'autres choses, ils en donnent une partie pour Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, une petite partie simplement. C'est quoi le résultat de toutes ces descriptions? Les véritables croyants sont. Regarde à la fin. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقَّ. Allahu Akbar. Ce sont eux les véritables croyants. Et quand tu es un véritable croyant, qu'est-ce que tu as comme récompense? Lahum darajatun 'inda rabbi. Ils auront des degrés élevés auprès d'Allah. Allahumma rzuqna ya rabbal alamin. Lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfira, ainsi que le pardon. Wa rizqun karim, et une subsistance noble. On va revenir en arrière, on rembobine la cassette et on va essayer de revoir un petit peu ce verset, la suite de ce verset, la fin de ce verset un peu plus en détail. Ceux qui s'acquittent réellement de la prière avec leur cœur, par la présence, par la spiritualité et la conscience du regard d'Allah et le fait qu'Allah voit tout et entend tout. Mais aussi qu'ils le font avec leurs membres. Leurs membres, selon quoi? Selon la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans la sunna, tu ne sais pas comment prier. Ceux qui réellement s'acquittent de la prière avec leur cœur et leur corps. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Regarde ici ce qu'Allah Azza wa Jal nous dit. Et une partie de ce que nous leur avons donné, ils vont le donner en aumône. Et le verset, comment il est fait? Qu'est-ce qu'il vient nous enseigner? Ce que tu donnes ne t'appartient pas. Subhanallah, on se croit généreux alors qu'on donne une chose qui ne nous appartient pas. Imagine-toi, Khilkali, allez, yallah, tu t'appelles Mohamed. Tu m'as donné 10 000 euros. Et de ces 10 000 euros, je donne 1 000 euros. J'ai gardé les 9 000. Je ne suis pas si généreux que ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'en fait, j'ai donné une toute petite partie de ce que tu m'as donné, mais c'est toi qui me l'as donné. Eh bien, c'est pareil avec ce qu'Allah Azza wa Jal nous donne. Vous vous rendez compte que dans, par exemple, Zakat al-Mal, c'est-à-dire l'impôt purificateur des biens, il ne nous prend que 2,5% pour redistribuer, notamment aux pauvres. Il nous laisse 97,5%. Mais quelle générosité d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et tout simplement, si tu fais ça, ce peu de générosité, Allah Azza wa Jal va t'aimer. En fait, il nous aime tellement qu'il nous donne sans arrêt des occasions de pouvoir accéder au paradis. Tu vois? Tellement il nous aime, il nous donne sans arrêt des occasions d'accéder au paradis. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Les véritables croyants. Tu vois, haqqan. Pas ce que tu prétends, pas ce que je prétends, parce qu'un gourou prétend, parce qu'un soi-disant shir va prétendre, parce qu'un soi-disant intellectuel va prétendre. Peu importe. Auprès d'Allah Azza wa Jal, les véritables croyants. Tu sais comment tu vas être un véritable croyant? Sois sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Accroche-toi au Qur'an al-Karim et applique ce Qur'an al-Karim à travers la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, on va rentrer dans les récompenses. T'as eu un peu peur, t'as donné, ton cœur a tremblé. Pour tout ça, regarde ce qu'il va te donner. Lahum darajatun 'inda rabbi. Tu vas avoir des degrés élevés auprès d'Allah dans cette vie d'ici-bas par la piété,
On demande à Allah Azza wa Jal de faire de nous des rapprochés d'Allah, awliya Allah. Et dans l'au-delà, par les degrés au paradis. Lahum darajatun inda rabbihim. Rabbihim, leur Seigneur à eux, parce qu'on l'a concrétisé ça. Wa maghfira, ainsi que le pardon de nos péchés. Wa rizqun karim. Et une subsistance noble et abondante, parce qu'elle émane de Al-Karim, le généreux. Dans cette vie d'ici-bas, par la foi immense, et parce qu'il te faudra de la dunya pour que tu puisses être apaisé. Et dans l'au-delà, les bienfaits du paradis. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder le paradis, ya Rabbi al-Alamin. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمنا يا رب العالمين هذا وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Je vous dis à très bientôt inshallah avec plaisir والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب